Tu peux faire une dédicace à ma mère, elle est à côté. Tu dis dédicace à la maman de Samy. Et bah voilà. Dédicace à la maman de Samy. Sachez, maman de Samy, excusez-moi, il faut que je vous voie, même si je vous rassure, vous faites vraiment très très jeune. Et je trouve que vous êtes radieuse, même si je ne vous ai jamais vue. Je peux vous assurer que Samy, il est, mais c'est un gars en or. Il fait son travail à l'école, mais comme un génie. Il fait ses devoirs. Il dort à 20h. Il se lève le matin, il est pas énervé. Il va à la douche, tac, il déjeune, tac, il va au lycée. C'est nickel, franchement. Samy, c'est un fils modèle. Vraiment, hein, vous pouvez y aller. Hein. N'hésitez pas à lui donner un peu plus d'argent de poche. Par contre, c'est vrai que là, je trouve que vous ne donnez pas assez d'argent de poche. Ah, c'est dommage parce qu'il le mérite un peu. Voilà. Franchement, amenez-le directement au McDo ce soir. Ça lui fera plaisir. Voilà, un petit McDo en famille, un samedi soir, c'est nickel. Franchement, nickel. Vous prenez à emporter, tranquille. Vous faites un McDo devant la télé. Voilà, vous serez bien. Vous serez bien. Franchement, Samy, un gars en or. Voilà, je le dis. J'ai pas peur de le dire, voilà. Et vous, madame, mère de Samy, vous êtes incroyablement belle. C'est impressionnant. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Je vous ai vu et je me suis dit, mais c'est vrai que cette femme est incroyablement magnifique. Et vous avez rajeuni. Vous avez au moins perdu 5-6 ans, quoi. C'est facile. Vous êtes splendide, quoi. C'est impressionnant. Normalement, j'aurais dû casser. Bon, ok, je crois qu'il veut pas jouer. Bonjour. Ah, j'ai peur. Donc là, je suis dans mon intervention, mais bon. Donc là, il a une flash juste derrière. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai compris. Oh, je vais me faire safe flash, hein. Je peux rien y faire. Non. Je pensais me faire safe flash. Donc ça joue un style pour rien, ça joue pour le peuple, protection de l'âme. Bien joué, hein. L'esquive est magique. C'est dommage, hein, l'esquive était magique. Non, elle mérite pas. Nice. Bien joué là. On a bien joué sur ce coup-là. Ah, elle va se faire des hooks instant. Je pense que je suis contre une bonne équipe, hein, vraiment. Ouais, je vois les trois. Les trois sont là, donc personne ne fait les gênes. Pour l'instant. Ça joue bien, je suis même pas en chase là. Elle sait que je peux pas la rattraper comme ça. Elle sait que je peux pas la rattraper. Je soulève direct parce qu'il y a pour le peuple, même si elle est blessée. Je soulève, je remets, je mets crochet, 3 hooks, tu vois. Et c'est histoire de mettre un peu de pression. Ah pardon, il y avait le mur, GG. Ah bien joué. Faut que je recharge. Ils vont des hooks instant, je pense. L'autre elle est ici, mais elle fait rien, ça sert à rien d'aller dessus. Tu vois. Voilà, ils veulent des hooks instant. J'ai perdu un totem, c'est juste rien comme totem. Je sais pas quand est-ce qu'elle va des hooks la Cheryl. Cheryl, il me semblait qu'elle était encore là, mais je suis pas sûr. Non. Bon, ça me fait rôder cette histoire parce qu'ils sont tous à côté et là, je sais pas s'ils s'en vont ou pas, mais. Elle va des hooks. Elle était bloquée. Hein. Ça joue bien, hein. J'affronte des bons joueurs. Hein. J'ai fait 3 hooks, mais faut pas croire aux apparences. Hein. Ouais, ça joue bien, vraiment. Faut en avoir pour longtemps là, elle est là. Hein. C'est risqué. Hein.
Ouais, la dedans. Ça joue bien. Faut que j'aille voir les générateurs, elle joue bien l'autre. J'arriverai pas à l'avoir. Ça joue bien, ils sont forts, hein, vraiment. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Ça joue très très bien. Ça va être dur, hein, cette game. Ça va être très dur. Ça va être très très dur. Parce qu'ils sont pas contre tous, ils jouent bien. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Je trouve. C'est assez impressionnant. C'est très dur. C'est vraiment très très dur pour aller réussir à gagner une chaise. C'est super dur. Réussir à gagner une chaise est très très dur contre eux. C'est vraiment difficile d'aller tomber quelqu'un, de réussir à la ramasser. Là, c'est très très dur. Ils sont vraiment bons. C'est... Ouais, j'accepte de perdre, quoi. J'accepte clairement de perdre parce que les mecs sont meilleurs, quoi. Mais le mec, il est sérieux. C'est incroyable, hein. Ils sont impossibles à choper, hein. Ils sont vraiment très très forts, hein. Je les respecte, hein. Ils sont très durs à choper, hein. Ils sont très très durs à choper. Franchement, respect, hein. Les mecs sont bons. Lui, il avait des darts tout à l'heure pour pas prendre le hit. Mais ils sont vraiment forts, hein. Ça va être très très dur. J'ai fait que 3 hooks, hein. C'est très très dur. C'est vraiment très dur, hein. Enfin, il y a du niveau quand même. Il m'amène là où il n'y a pas de générateur à vérifier. Je perds donc 2 gènes au fond. C'est très fort. C'est très très fort. Ouais, tu vois, je te l'avais dit. J'ai perdu les 2 gènes. Ils sont vraiment très bons en GG. Ils sont meilleurs, c'est tout. Rien à dire, hein. Franchement, rien à dire. Les mecs sont juste plus forts. À un moment donné, faut dire la vérité, quoi. Les mecs sont juste plus forts et tu peux rien y faire, quoi. C'est... Non, c'est... la map est très bien pour le tueur. Elle est très bien. C'est moi qui suis juste pas bon. Ils sont meilleurs que moi, c'est tout. J'accepte largement. Ils sont vraiment plus forts. Hein. GG à eux, c'est tout, ils sont meilleurs. Faut juste accepter, je veux dire, c'est bien beau de dire, ouais, ils ont aussi, ils ont ça. Non, non, ils ont rien de spécial, ils sont juste très forts, point. Il faut pas du tout minimiser la force d'un survivant. Ils sont très forts, ils jouent bien, respect à eux. Parce que, elle, j'ai jamais hook, elle est quasi invincible, donc GG wallplay. Hein. Je peux aller faire que ça pour que je la aimer. Très fort. Je suis pas capable de perdre la pression, je suis pas capable. Je suis pas capable, je suis pas capable. Je suis incapable de mettre de la pression contre des gens qui sont aussi forts. Incapable. Tous ils loupent bien, c'est tous 4 joueurs qui jouent comme des dieux, quoi. C'est 4 joueurs qui sont très 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 forts. C'est pas comme s'il y avait un joueur qui était fort, puis les autres bof, c'est les 4 sont ultra forts, quoi. Vraiment. Et moi je joue trop fair play pour essayer de mettre de la pression, je joue beaucoup trop fair play. Chaque fois que je mets un hook, je vais de l'autre côté, je remets un hook, je vais de l'autre côté. C'est pas possible contre des gens comme ça. Tu peux pas gagner. Si tu joues pas un minimum sous race, tu peux pas gagner. Et moi, j'arrive pas à jouer sous race parce que je sais pas comment on fait. Dès que j'essaie de le faire, je me fais karmater. Ils sont juste trop forts. Voilà, ils s'effolent. Voilà. Merci, mon après, j'ai peut-être un trigène. Ça peut m'aider, mais bon. Ils sont vraiment très très forts. Incroyable. Hein. Tu fais une feinte de dieu vivant, elle s'en fout. Tu fais une feinte de dieu vivant, elle s'en fout. C'est impressionnant. Rien à dire. Franchement, c'est impressionnant. Par contre, je vais laisser passer personne ici. Il y en a pas un qui passe. Et lui, il est passé. Ils sont vraiment trop forts, quoi. Ils connaissent mes déplacements, c'est impressionnant. Trop fort. J'ai pas une seule possibilité de cible. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas une seule possibilité de hit. Pas une. C'est impressionnant, quoi. Impressionnant, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand même. Là, je suis obligé de roder, tu vois. Là, je vais encore me rater. Voilà, ils sont trop forts. C'est juste abominable, quoi. J'ai de la chance, hein. Heureusement qu'ils sont bons, mais. Enfin, heureusement qu'ils sont bons, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai de la chance, hein, sur le 8. Hein. Ils sont vraiment très très forts. C'est beau à voir, hein, c'est beau à voir. Ok, Princesse Sarah, gros bisous, à tout à l'heure. Salut Mazdas, comment tu vas? La forme? Yonatman, tu vas bien? C'est dur, hein, contre des joueurs comme ça, mon ami, c'est tellement difficile. Oh là là, c'est tellement dur, quoi. On se gêne au pire, je m'en fous là-bas, parce que j'ai 3ème plus proche. Tu vois ce que je veux dire? Hop, ils prennent de l'avance tout le temps. Tout le temps de l'avance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très très dur. C'est incroyable, hein. C'est incroyable.
Les déplacements, ils sont ultra intelligents. Il n'y a pas de perte de déplacement. C'est la force incroyable. Je peux jamais placer un hit, en fait. J'ai pas le temps de placer un hit. Ils sont super intelligents. C'est impressionnant. Là, j'ai de la chance d'avoir un corps à corps. Hein. Mais je vais le rater. Hein. Voilà. Incroyable. C'est incroyable. J'ai un corps à corps. Et je suis pas capable de l'avoir. Parce qu'elle est trop forte pour moi. C'est impressionnant. Impressionnant. Vous imaginez pas à quel point c'est fort, ça. C'est fort. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais essayer de l'éliminer. Ça pourrait être bien. C'est un bon body block, mon ami. Il y a peu de chances que je réussisse. Au moins en enlever un, là, ça pourrait être pas mal. Ouais, elle a give up le déplacement. Là, ils vont être à 3 sur un gène blessé, je pense. Avec 2 hatchets. On va peut-être recharger. C'est passé. Il s'est passé quoi? Elle est sortie du casier? Oh, nice. Nickel, comme ça, elle a gâché la palette. Malheureusement, j'ai dû camper pour réussir à faire ça, hein, tout à l'heure. Je l'ai campé, le mec. Je la hit. Là, je me suis décalé. Je pourrais pas aller là-bas. Hein. Mais bon, je peux faire un deuxième kill. Oh, le dédard, il est incroyable. Allez, un deuxième kill. C'est déjà pas mal. Je sais que je perds un gène le temps que je fais ça. Mais bon, c'est ok quoi. Salut Kerwog, comment tu vas? Franchement, j'ai bien joué quand même. Je sais que je perds le dernier générateur, mais franchement. Ok, à un moment donné, j'ai rodé parce que j'avais la map qui est puissante pour moi. Et donc, du coup, j'ai rodé de telle façon à empêcher la possibilité d'un hook. Lui, il fait exprès de m'attirer, mais je vais pas rentrer dans le piège. Il m'attire parce qu'il veut prendre un hit avec adrénaline. Tu vois ce que je veux dire? J'ai la chance que Rune est resté. Hein. Mon Rune est resté, j'ai de la chance. Hein. C'est obligé qu'il soit caché là, il n'y a pas de trace. Il pouvait être que caché dans des endroits, alors je sais pas encore lesquels, mais... Ok, donc les deux sont là. Il a une clé, hein. Il a une clé. Non, on aurait dit qu'il avait une clé. Il va dédarder. On a bien joué quand même, hein. Franchement, je trouve qu'on a bien joué. Hein. Tout en essayant d'être très fair play, sauf au moment où je rode. Là, j'étais obligé de roder. Pardon. Mais sinon, putain, on n'a pas été mauvais. Hein. On n'a pas été mauvais du tout. Hein. On a été correct. Hein. Salut Taroner, comment tu vas? C'est la forme. Yo, Vaisy, tu vas bien? T'as l'air fin. Comment vas-tu? Y'a petit bout, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petit bout? Oh, les portes sont côte à côte, quoi. J'espère qu'il a une clé, le survivant, parce que là... Ah, il peut peut-être peinter. Ouais, il est là-bas. Il est là-bas, okay. Je vais essayer de lui envoyer une hatchet. Oh, bien joué. Il a le temps. Hein. S'il me dodge bien, il a le temps. Hein. J'ai un dédrap là. Oh putain. Nice. Wow. 4 kills là-dessus, je m'y attendais pas du tout. Vraiment. C'était impressionnant, ils étaient très très forts. Hein. C'était impressionnant, je m'attends pas. Ruine ma carrière. Ruine ma complètement carrière. Wow. Ouais. Je fais 10 hooks. 10 hooks hein, quand même. 10 hooks contre une équipe aussi forte, mon ami. Bon, après, j'ai la map qui est pour moi. Tu vois, si je prends les avantages que j'ai eu, la map, elle est à mon avantage, clairement. Puisque si j'accroche quelqu'un d'un côté où il y a 3 gènes, bah, je le rode. Exactement ce que j'ai fait. J'avais accroché au début et tout. J'ai essayé de rester très altruiste. Et ensuite, j'ai accroché quelqu'un et j'ai rodé. Pour empêcher le déhook, il est passé P2 et ensuite j'ai pu le tuer. Mais plus tard, c'est-à-dire j'ai refait un hook entre temps. Voilà, donc pas de tunnel, rien du tout. Après, j'ai réussi à mettre de la pression, double pipe, 31 000 points. Alors que les mecs étaient 10 fois plus forts que moi, vraiment. Ils étaient beaucoup plus forts que moi, mais j'ai réussi à mettre de la pression. Je suis assez fier de cette game quand même, parce que normalement j'aurais dû faire 0 kill et ils auraient dû sortir à 4 quoi. Oh, mais ouais, Shendri, Nani. Je m'attendais pas du tout à réussir ça, hein. Franchement, ils étaient bons. J'aimerais dire que j'ai transpiré, mais... Salut Galaxy, salut Angel Shelby, comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Cette game mérite d'aller sur YouTube. Elle peut, hein, parce que tu affrontes des bons joueurs, mais... Mais bon, après, c'est vrai, ça peut, mais bon... Je sais pas trop, quoi. On peut, hein, mais... Le problème, c'est que je joue que N13, quoi.
Mais je peux tenter de la foutre sur YouTube, hein. Faut que toujours être sympa. Salut Prazei, tu vas bien? Qu'est-ce que tu conseilles comme build sur Spectre? Spectre, un petit truc comme bah déjà Ruine Immortelle, tu vois. Tu peux mettre Intervention Maléfique. Il y a des perks, je sais pas trop. Bah déjà tu peux mettre Noed sur Spectre, c'est pas déconnant. Mais sinon tu peux mettre un truc comme, je sais pas moi, je sais pas trop, Déboussolé éventuellement. Ou jouer avec la nourriture, ça peut être cool, mais bon.